J'espère que vous allez bien, YouTube. Je suis en live sur Twitch et on va se lancer sur université parce que on a amené notre petit Kevin à sec à l'université et que j'avais envie de vous faire tester, voilà. À savoir que moi, je me souviens surtout que c'était très dur, c'était long, c'était très très long. Une fois, j'ai directement jeté un truc à la poubelle à la place du frigo. Oh non, l'erreur tragique. Voilà. Il y a d'autres petits qui vident. Plus de tel et sûrement le micro de mort aussi. Ah ouais, je pense, hein. Ça me rappelle un jour, je voulais manger un bonbon, c'était le dernier, j'ai jeté le bonbon à la place du papier. Ah, mais quand ça arrive, t'es là en mode... Ouais, alors c'est vrai qu'on avait choisi la dernière fois la petite chambre parce que nous on n'est pas cons, hein. Le bureau on s'en bat la race. Nous ce qu'on voulait c'était l'ordinateur. Donc là on a tout. Bah il est content, voilà, hein, il vit sa meilleure vie de petit étudiant. Hop, on va lui faire faire aller aux toilettes. Et normalement, regardez, première année, deuxième année, troisième, quatrième, 72 heures avant l'examen final. Oh putain, il faut qu'il ait de la cuisine, wesh. Mais ça va vite, hein. 15h-17h. Ok. Ok, doki. Bah après, on va étudier la cuisine. Hein. Ça devrait aller. Je sais pas s'il a déjà des devoirs à faire. Je vous avoue, je me souviens pas de grand-chose. Ah bah non. Je sais pas s'il doit... Enfin, c'est peut-être quand il revient de cours qu'il a des devoirs. Je me souviens plus, je vais pas vous mentir. Salut, Miss, comment ça? Du coup, t'as déjà commencé un let's play dessus, tu peux faire un récap ou pas? Non, non, bah non, justement, c'est ce que je disais. Je voulais vous faire découvrir l'université parce que j'avais pas fait de let's play dessus. Ah là là, pour faire les kékés, hein, pour rigoler, il y a du monde, hein, mais pour suivre, il n'y a plus personne. Hein. Il a tellement évolué. Bah là, surtout, il a sa tenue de BG. Parce qu'en vrai, je pense que c'est pas du tout sa tenue classique. Hein, à notre petit Kevinou. Il a 1500 €. Je sais pas si tu peux prendre des petits jobs. Voilà, donc là on a acquis les compétences nécessaires pour notre première année. Spécialisation non déclarée. Alors attendez, attendez. La jauge de performance scolaire indique l'efficacité de votre Sims au cours du semestre actuel. Elle se remplit entre autres lorsque votre Sims rend des devoirs et assiste au cours. Lorsqu'elle atteint sa valeur limite, votre Sims perd son temps à étudier. Pour augmenter cette valeur maximale, votre Sims doit améliorer les compétences requises puis continuer de remplir la jauge en effectuant des activités scolaires. Votre Sims obtiendra la meilleure note en agrandissant la jauge au maximum et en la remplissant intégralement. Ok. Moi, c'est surtout... peut-être que la spécialisation, c'est pas en début d'année. Flagelle-moi. T'inquiète, j'arrive. Bravo, nous. Ah là là. Ah là regardez comment ils font les malins, là. Cassez-vous, monsieur. Mais c'est ma chambre. Mais tu es cuit, toi. Si je le verrouille, il est bloqué. François, François le français, tu es bloqué. Oh, vous savez ces Sims là, quand on les joue comme ça là, il est pas beau. François, tu n'es pas un très beau Sims. Hein. Oh, mais ce nez de sorcière. C'est le cliché des méchantes sorcières. Mais j'ai verrouillé la porte. Mais qu'est-ce qu'ils font chez WAM? Cassez-vous. Ah bah c'est verrouillé, mais du coup elle peut ouvrir. Casse-toi. Tu pues. On est kinky sur Twitch au Clairbourg. Clairement, Clairbourg. En même temps, on a commencé Twitch avec des jeux de drague. Hein. Tu sais, c'était la bonne époque de Diabot Girl. Oh là là, tant de... Ah, mais il l'a pas verrouillé, justement. Voilà. Cassez-vous, les gueux. C'est fou, ça, quand même, hein. Les mecs, ils rentrent comme ça dans ta chambre. Alors moi, j'ai pas été en crous parce qu'évidemment, mes parents gagnaient trop. Et donc, on n'était pas... Enfin, vraiment, on pouvait pas prétendre à en recevoir une. Hein, même si, bon, l'État te le dit pas clairement. Ils disent, faites des demandes. Mais tu sais très bien que tu les auras jamais. Hein. Mais voilà. Et du coup, je sais pas comment ça se passe, les logements crous. Mais je suis pratiquement certaine que personne ne peut rentrer chez toi. Hein. Hop. En distraction, par contre. Regarde. En plus, ils ont vraiment un truc là, quoi. Bande de salauds.
Il y a trop de musique. Qui a lancé cette musique? Oh putain, mais il y a des... Ah mais c'est chiant. Ah si, c'est bon, ça a été éteint. Kevin a cours dans 1 heure. En cours. Ah ben c'est l'heure de partir en cours. Grau. J'ai un pote en Crous, les cafards sont là toute l'année, les employés Crous rentrent quand ils veulent. Waouh, c'est chaud. Mais j'avais vu, tu sais, comme ça, là, à un moment sur Twitter, il y avait eu un soulèvement. Toujours dans l'abus, moi. Mais tu sais, les élèves qui parlaient du fait que c'était inadmissible et tout. Et donc, ils avaient partagé des reportages et tout. Et il y avait le Crous de Villeneuve-d'Ascq. Villeneuve-d'Ascq, c'est juste à côté de Lille, en fait. Aujourd'hui, Kevin a rencontré prof Charlie. Oh! C'est mon alter nominatif. Shibata. Et Céleste Fabre. Ok, Céleste, par contre, on n'est pas... Ah, il est dans le rouge. À plus! Regardez ce lama! À plus, Maurice! Et vraiment, du coup, il y avait les reportages qui étaient sortis. Et le Crous de Villeneuve-d'Ascq qui était considéré comme un des pires du monde. Et c'était juste à côté de Lille, en fait. Ça manque les dating simulations, d'ailleurs. Bah, je sais, les gars, mais que voulez-vous? J'ai pas assez de temps sur Twitch. Vous savez que j'ai toujours envie de commencer Animal Crossing, hein. Ça fait depuis 6 mois que je vous en parle. Même pas, bien avant. Ça fait maintenant, ça... en vrai ça doit faire 10 mois, on va bientôt arriver à 1 an, ça va devenir un running gag de la chaîne. La seule fois où j'ai voulu faire du Animal Crossing, j'ai pas pu, finalement j'ai annulé le live, on l'a jamais fait du coup. Mon pote, quand il était en Crous, il avait un petit appart tranquille, il était vraiment top, et il avait sa clé. Mais je pense que ça dépend tellement de ton bâtiment, tu sais. Ça doit vraiment dépendre, hein. Je pense que c'est quitte ou double ça, par contre. Et le souci, consulter ses emails. Envoyer un email. Envoyer un email à qui, enfin? Je sais pas. Université, rédiger une dissertation. Ah, tu peux annoncer ta spécialisation. Lui, je pense qu'il est parti en droit, si je m'abuse. Oh, Kevin n'a aucun message. Oh, la tristesse. Envoyer à Angela. C'est qui, lui? Daniel Sympa. Ah oui, c'est le daron d'Angela. C'est le beau-père. Hop. Vous inquiétez pas. Écris un roman. Il y a des grandes ambitions dans la vie, cet enfant. Hop. 60 heures avant l'examen final. Mais qui a un téléphone dans une université comme ça? Bon, on va lui faire regarder un film. Regardez un film. Action. Mais regardez-moi là, ils sont tous en train d'étudier. Nous sommes studieux, nous apprenons. Brandon va à l'université. Persuader quelqu'un de faire mes devoirs. Ah ben bravo, hein. Belle mentalité ça. Mais c'est trop bien, dans les Sims 2, t'as quelqu'un qui te fait à manger. Bon après c'est des macaronis au fromage, hein. C'est pas de la grande gastro. Mais il y a quand même quelqu'un qui te fait à manger. Par contre, c'est qui nettoie? S'il y a une personne qui fait la cuisine, il y a quelqu'un qui nettoie? Ah oui, c'est la madame de la culture. Il n'y a plus à manger! C'est à nous, ça? Faire les devoirs de François. François le français. Je sais pas quand tu payes ta chambre universitaire. Je sais pas si on est dans le caca, du coup. Je ne sais rien. Je vais pas vous mentir, j'ai tout oublié. Dans les résidences de Villeneuve-d'Ascq, c'est là où il est en plus. Ah, ben oui, bah, je comprends du coup. Y a des choses qui s'expliquent. Bah, en vrai, il va aller faire dodo. Ouais. Tant pis, en pyjama, 3 heures du mat, c'est l'heure d'aller faire dodo. Nous, on laisse nos trucs parce qu'on est des gros porcs. Mais on est d'accord qu'il n'est pas revenu. Oh, regardez. T'as les élèves en fonction de là où ils dorment et tout. Et tu vois pas ce qu'ils font. Je pense que ça devait être trop lourd à charger. Du coup, ils ont pas mis ce que les Sims font dans leur chambre. Ne pense à rien. Hein. Ne pense à rien, voyons. Hop. C'est quoi ça? Annoncer sa spécialisation en biologie, aller en cours, faire les devoirs. Mais les gars, vous savez où je peux trouver les devoirs? Oh cool, il y a quelqu'un qui a rangé. Parce que moi, j'ai la disserte. I know. Mais je vois pas où sont les devoirs. Ça m'angoisse. J'ai pas envie qu'il rate sa spécialisation. Madame, vous puez du cul. Lavez-vous, s'il vous plaît. Je sais pas. Est-ce que vous savez?
Parce que tu sais, c'est quand ils sont ados ou quoi, ils ont leur devoir à la mano, mais là, il n'y a rien. Mais madame, mais c'est quoi ces gens qui puent? Mais les filles, elles puent ou quoi? Ah oui, c'est pas des blagues. On va annoncer sa spécialisation. Non, attends, c'est déjà les factures, c'est une blague. Madame. On va juste d'arriver. $150. Oh, ça va. Il les a pas foutus dehors, peut-être? Bah, peut-être. Comme c'est considéré comme un appartement, je pense que comme il vient d'un appartement, on va pas se cacher le voisin. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que, tu sais, les Sims 2, ils étaient limités, hein, parce qu'ils pouvaient faire aussi, hein, les ordi, c'était... Faut se rendre compte que le jeu est vieux, tu vois. Et que je pense qu'il y a plein de choses qu'ils pouvaient pas faire, donc... Ça doit... Et puis c'est bête, hein, mais ça demande beaucoup moins de ressources à ton ordinateur de faire pas apparaître les PNJ comme ça, hein. Là, tu vois, mine de rien, c'est pas des objets que tu fais apparaître, tu vois. Bah écoutez, j'ai fait le tour de l'université, mais on n'a pas de... Peut-être que les gens, enfin les professeurs, ils sont gentils, ils nous ont pas donné de devoirs. Et moi, je vais annoncer ma spécialité. Ah mais vraiment, on n'avait pas pris notre spécialité? Psychologie, histoire, physique, littérature, sciences politiques, mathématiques, économie, biologie, philosophie, art, théâtre. Moi, je voulais qu'il soit en droit, mais c'est quoi le droit? Sciences politiques? Est-ce qu'il y a déjà du droit dans les Sims 2? Ah, et peut-être qu'on pose pas les bonnes questions. Attendez, je vais vous dire ça. Alors, carrière Sims 2. Les métiers et les carrières des Sims 2. Qu'est-ce que nous avons? Les 10 métiers de base. Carrière à faire. Alors, sport, affaires, pègre, science, cuisine, médecine, politique, police. Alors, carrière militaire, flemmard, quartier libre, on a la danse. Océanographe, artiste amuseur, espionnage, architecture. Justice, les métiers au fil de saison. Ah, y a bien un truc de justice, hein. La question est, comment, si on veut gagner du temps avec l'université, qu'est-ce qu'on prend? Parce que moi, je serais là en mode plutôt peut-être sciences politiques, hein. Ou psycho, je sais pas. C'est pas très clair. Don't know, les gars. Je pense qu'on va choisir au pif. Est-ce que vous avez une préférence du coup? J'avoue, j'ai un doute. Oui, c'est ça, je pense qu'il est dans une des anciennes, Jérém. Il a pas le choix, mais c'est juste horrible que rien ne bouge. Ouais, c'est ça. Je vais même pas imaginer la tête des étudiants qui se retrouvent là-bas, ne partent pas car ils n'ont pas d'autre choix que de vivre là. C'est ça. Kevin en Sciences Po. Allez, Sciences Po. Sciences politiques pour le petit Kevin. Ah, punaise, ils ont fait ça bien. Ils te disent les carrières à laquelle tu peux prétendre et du coup, tu as la justice. Justice, espionnage, militaire, politique, showbiz, compétences requises, nettoyage, charisme, créativité, physique. Yeah, ma gueule. TKT, bébé. La caisse à savon et vous. 8h, 10h. Putain, on a loupé les cours du coup. Il voulait annoncer sa spécialisation en bio. Bah, je pense qu'il va être déçu parce qu'on ne va pas du tout aller en bio. Nous, on va essayer de faire des thunes en écrivant des livres. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça, j'avais oublié. Alors, on va partir sur une attaque avec des fusées et une plus chimique avec des rats mutants. Et un appel très bizarre qui finit par terminer en zonzon. Voilà. Je pense que ce sera pas perdu, hein, d'écrire. En plus, on gagne de la créativité. Je vous rappelle que notre, a priori, notre carrière, elle nécessite de la créativité. Donc ce sera pas perdu du tout. Oh là là, il s'arrête plus. Oh, j'aimerais tellement écrire aussi vite, les gars. Regardez là comme il avance. J'adore quand on tape au clavier, genre. Acheter une télé qui vaut au moins 2000!
Mais frérot, t'as même pas 2000 sur ton compte bancaire, calme-toi. Et ah, peut-être que maintenant qu'il a une spécialisation, il aura des devoirs, vous croyez? Il tape plus vite que la musique, grave. J'en suis partie depuis 4 heures, c'est déjà connu depuis plusieurs années. Ah mais oui! Fixe-toi des ordres comme si tu étais un Sims. Mais c'est déjà le cas, hein. Je vais pas vous mentir, c'est déjà ce que tu fais un peu quand tu écris, hein. Commencer un concours, surfer sur internet, écrire un roman. Mais je peux reprendre celui que j'ai écrit ou pas? Écrire un roman. Si je reprends à zéro, je vais être un peu deg. Peut-être que c'est juste écrire, mais tu peux pas le publier. Ça se trouve, c'est pas comme dans les Sims 4 où tu peux te faire des mailles. Oh non. Oh. Oh, si c'est le cas, je vais être la personne la plus triste de la Terre. Moi, je me disais, il va payer ses études en vendant des livres, ce serait trop cool. Bienvenue. Il a terminé. Ah, tu crois? Non, aucune action est requise. Peut-être que ça se vend pas. C'est pas comme dans les Sims 4? Mais l'autre, il est en train de me faire des trucs. Mais qu'est-ce que tu fous sous ma douche, toi? Coquin. Ça va, là? Non, madame, ne rangez pas ça, s'il vous plaît. Oh, la vieille meuf. De toute façon, je préfère manger mes spaghettis que des macaronis. Il y a un truc qui a... Pourquoi ça... Il y a de l'eau, là. Mais il va être claqué demain pour aller au boulot. Enfin, pour aller en cours. Célestine. Dans son inventaire. Ah! Je pense qu'il prend des trucs pour écrire aussi vite ou c'est un personnage de jeu. Je pense que c'est un personnage de jeu. Ah merde, y a rien dans l'inventaire, les gars. Oh, je suis deg! En fait, je pense qu'il peut écrire un roman, mais il peut pas le vendre. Parce que ce serait bizarre de... Tu sais qu'il doit continuer à fond, parce que regardez, on a monté pas mal la créativité. En vrai de vrai, il a quand même bien avancé la créativité. Et avec que la jauge en mode... il écrit, tu vois, il améliore sa créativité, et pas la jauge en mode... Parce que je comprends pas, il y a quand même marqué là... Vendre un grand roman. T'as la bourre, t'as la bourre, t'as la bourre! Cours, 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 cours! Je suis en retard! Non! Cassez-vous, madame! Hein? Ah, c'est bien, racontez-nous vos profs. Mais il a pas de devoir? Non mais les gars, y a un blème, c'est pas possible. Il a pas de devoir? Et on n'arrive pas à publier un roman. Il y a peut-être un souci là. C'est bizarre. Très très bizarre. Ah mais regarde la météo, j'étais là pour de... Pourquoi il y a tout ça qui s'affiche? Calmez-vous. Voilà. 20 h avant l'examen final. Et on en est à où? Bon ça va, il a passé la jauge en vrai, il est pas... C'est pas horrible quoi. Regarde, pourquoi les... Solène elle a des devoirs et François aussi et pas nous? Salut, Chuchot. Si. Pardon si j'ai écorché le pseudo. Mais regardez, ils ont des devoirs. Pourquoi il y en a qui ont des devoirs et pas nous? Ça me rend folle. Parce que tu vois qu'en université, t'as pas en mode de faire des devoirs, t'as juste changé de spécialisation. Oh non. Rédiger une dissertation. Bah oui, mais tu l'as déjà fini, frérot. C'est bizarre. Peut-être que c'est en fonction de tes cours, t'as pas de devoirs? On peut pas les acheter comme dans les Sims 4 quand on perd son cahier. Non, pas dans les Sims 2, ça je suis persuadée. Mais c'est surtout qu'en fait, il les pose nulle part. C'est ça que je comprends pas, parce que là, du coup, j'ai regardé. Et il est revenu sans rien, tu vois.
Pareil pour le roman, ça me saoule. Est-ce qu'il faut qu'il soit forcément carrière écrivain, tu vois? Ce serait bizarre. Peut maintenant désormais rédiger un blog sur ordinateur pour parler de sa passion. Trop cool. Hop. Écoutez, il y a un truc qui fuit, hein, les enfants, hein. Parce que l'eau, elle est toujours là. Mais madame, vous avez fait quoi? Ah, mais c'est eux, ils foutent de la flotte partout, ces cons! Mais arrêtez de fumer sous les détecteurs de flotte, je sais pas! Ah, faire une farce, d'accord. Ah, ouais, c'est très drôle, on rigole tous, là. Non, mange, mange. Oh! Non mais regardez, la vache, elle me suit en plus. Cassez-vous, madame la vache! Non, toi tu vas manger. Mais il y a quelqu'un qui a encore fait une farce! Mais c'est pas vrai! Ah mais ça c'est drôle, là, il rigole, là. On rigole, on rigole, on n'en voit pas le fond du bol. Hop. On va prendre une petite douche avant de puer la mort. Mais je sais pas. Apparemment, sur internet, ils disent que faire cette voix en cliquant sur ton sim, c'est que c'est dans université. Mais non, c'est une connerie comme as. Non mais on est d'accord que c'était pas très logique. Parce que c'est ça qui est bizarre, c'est que... Quand t'es enfant, tes devoirs, tu ramènes tes devoirs. Non, là c'était, c'est pas que ma faute. En plus, il a même pas fait, il a même pas pris sa douche, ce gros porc. Oh merde! Il aurait pu avoir carrément mieux. Bah après, il a fait une disserte, hein, ça va. Hein. Non, c'est pas les toilettes que je voulais. Ah merde, je vais peut-être aller faire les toilettes. Allez aux toilettes. Tu que prendre sa douche. Bon, kéké. Université, faire ses devoirs. 5h du match, je vois pas le souci. Ah, bah dehors, au milieu des lucioles. En train de réviser. Et attendez, mais en fait, elle sait faire qu'un repas, la madame. Yvette, est-ce que vous pouvez vous améliorer en cuisine? Parce que manger des macaronis et des crêpes, j'en ai un peu marre. T'imagines dire ça à la pauvre Yvette qui paye ses factures parce qu'elle a une trop petite retraite. Il est en cours, ça y est là, il est parti. Écoutez, on l'a laissé. Oh ça va, hein, les devoirs ça monte vite. Hein. Tout le monde a ses devoirs autrement, on essaie de nous faire échouer. Mais grave! Il y a peut-être trop de devoirs, il peut pas traîner un carton. Non ça va, ça va. On a réussi à s'en remettre. On n'a pas la jojo max, mais... Et voyez là, c'est le premier examen, il y a un deuxième examen. Et chaque année c'est ça, t'en as deux. Et mine de rien, c'est long parce que c'est 72 heures un semestre, en gros. T'as deux semestres. Donc t'as 6 jours par année. Au final, 6 fois 4, 24. T'as 24 jours sur l'université et c'est grave trop long. Il a une note de 20 sur 20. L'école lui accorde une bourse de 1200. Allez. Yeah, bitch. Et là, maintenant... Ah, vous voyez, il y a deux niveaux. Hein, 18 heures. Première année, moyenne 20. Putain. Féodalité, la crème dessert. Yes. C'est de 18h à 22h. Et tu as... Il faut qu'il s'améliore en méca et en physique. Comment on va améliorer notre physique alors qu'on n'a clairement pas de petite machine? Dans la merde. Étudier mécanique. Voilà. Oh ça c'est bon! C'est les 11 mois d'abonnement! Salut Clémence, j'ai réveillé ma pauvre Oli. Partout mon bébé! Yes! Bienvenue Clémence, comment ça va? Oh. C'est les 11 mois, on est bientôt sur une année. Tu te rends compte que Pierre-Alexis, ça y est, il a passé les... il est aux 13 mois? Je trouve ça fou. Là, on arrive sur les chiffres qui commencent un peu à faire peur, je trouve. Genre, ça y est, on est sur des années, là. On est sur une année. Je trouve ça cool. Physique. Je comprends pas parce qu'il y a plein de choses. Mais je pense que c'est que danser qui va te permettre faire de l'exercice. Ah.
Voilà. Hop. Voilà. C'est qui a fait un petit bruit genre... Oh, Julie, elle est cheerleaders. Elle est trop mimes. Mais regardez, on a notre jauge là à fond. Attends, déjà? Ça fait bizarre. On l'aurait eu vachement... Merde, il va au cours dans 2 heures, il est fatigué de ouf. J'avais oublié qu'on l'avait fait se lever super tôt. On va attendre 17h45. Oh, le cours, il va être long, les gars. Oh. Ça va, il dure 2 heures. C'est pas non plus la mer à boire. Ah, en fait, ça devient de plus en plus dur parce que vous voyez, au début, il y avait différentes jauges. Là, on a eu juste une aux compétences et du coup, on est là. Bon, ça va, en vrai. Madame, c'est mangé, ça? Enfin, c'est mangeable. C'est du silicone carné ou c'est du cramé? Le doute est permis. Yvette, est-ce que vous avez fait autre chose? Est-ce que vous étiez en train de faire des folies de votre corps? Vous étiez en train de faire des choses autres, plus importantes que la cuisine? Quel cas je pourrais vous comprendre? Hop. Du coup, il y a les trucs de flotte partout parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des farces, ces imbéciles. C'est terrible. Coucou, comment ça va? Ça va! On a juste découvert enfin comment fonctionnent les devoirs. Et du coup, si jamais vous avez la foi, vous pouvez regarder comment on fait pour écrire un roman. Enfin, pour le publier. Parce que l'écrire, on sait, mais le publier, on n'y arrive pas. Parce que lui, il voudrait vendre un grand roman. Et comment qu'on fait ça? S'il n'y a pas d'option pour vendre. Je sais pas, faut bien atteindre le niveau 10 avant de publier. Heureusement que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Ça serait le beans. Mais Yvette, elle travaille tout le temps. Mais la pauvre femme. Elle est vraiment exploitée, c'est notre Yvette. Hein. Ça me fait de la peine, moi. J'ai envie de la prendre dans mes bras et de dire, Yvette, sortez de là. Ça va, Fifi? Elle me regarde. Ça marche, Miss, des bisous. De tête pour publier, c'est pas la boîte aux lettres. Bah, on n'arrive pas. En fait, université, faire ses devoirs. Ah. Ouais, il avait décidé de le faire lui-même. Parce que j'ai prendre le courrier, mais j'ai rien pour publier. C'est sur les Sims 4, ça marche comme ça, mais sur les Sims 2, j'ai pas l'impression. Parce qu'il écrit, il améliore sa créativité, mais il y a rien qui dit en mode j'ai terminé un roman ou des choses comme ça, tu vois. Ah, 102. Oh putain, ça coûte carrément plus cher qu'avant. Ah non, on n'avait pas payé 150. Ah non, c'est moins cher. J'aime bien quand c'est comme ça. Université, rédiger une dissertation. Nous, on fait tous les premiers jours comme ça, prenez tranquille. Il a l'air de kiffer quand même la vie à l'université, notre petit kéké. Hein. Il s'éclate. De toute façon, il s'est tellement occupé de ses frères et soeurs, il a l'habitude d'être débordé, pauvre vieux. Hein. C'est quand même plus facile que dans les Sims 4, je trouve. C'est pour aider encore plus, elle fait aussi du téléphone rose. Ah oui, carrément, ça serait drôle. Hop, voilà, il a amélioré ça, bravo Kéké. Oh, ça se bagarre. Oh, la vache et le lama, les mascottes en furie. Hop. Hop. Ah, ils ont encore fait une farce, c'est dégueulasse. Hop, il est parti à son petit cours. Pardon, pardon. Il faut être niveau 2 pour s'auto-publier. Niveau 5, tu peux vendre un éditeur. Bah, je comprends... Alors... Bah, je comprends pas parce qu'en créativité, il est bien avancé. Il est en créativité. Il est... Regarde! 3, on est à 5. Sur la créativité. Alors du coup, je comprends. En écriture.
Bah t'as pas en compétence sur les Sims 2, l'écriture. T'es sûr que t'as pas confondu avec les Sims 4? Parce que dans les Sims 4, je sais que ça se produit comme ça, mais... Kevin est un rebelle, un vrai, ce qui ne manque jamais de lui causer des ennuis. Cette nature cache toutefois un réel manque de confiance en soi. C'est un cliché, j'adore. Écrire un roman. Mais frérot, j'ai envie que t'écrives un roman, j'aimerais bien que tu le publies. Ce serait encore mieux. Ça donne rien comme résultat sur les Sims 2, ça parle que des Sims 4. Ah ouais, mais les Sims 4, je m'en fous, je sais comment ça fonctionne. C'est les Sims 2 qui me posent souci. Que je me dis, ça peut pas être une question d'ordinateur, tu vois. Ou alors, il faut une machine à écrire, il faut peut-être un truc supplémentaire. Attendez. Le taco, le potier, les fleurs, la machine à coudre, le kit de jouets, le train électrique, le poste de construction de robots. Attends, les ordi. Plus cuisine, plus physique. Oh. Plus 2 en créativité. Plus 2 en créativité. Meuble de TV. Oh la vache! Meuble de TV, il déconne pas. En même temps, ça peut être Johnny la classe, donc on aurait dû douter. Caisse enregistreuse. Caisse enregistreuse. Aussi. Le Ticketronic. Bah non. Bah je comprends pas. Je comprends pas aussi pourquoi ils nous disent de choisir les thèmes et de choisir la couverture. Caca. Description du livre. Ça pue. Kevin semble avoir terminé son roman, espérant qu'il se vendra bien. D'accord. Reçoit les encouragements du doyen. Mais en fait, ça tombe de manière extrêmement random. Pourquoi il se réveille, frérot? Faire les devoirs de Léa. Salut, Michel. Mais c'est improbable. C'est vraiment. Bonjour, nous avons été déçus par le roman de Kevin. Il reçoit des mauvaises critiques et les ventes ne décollent pas. Voici un chèque de 1530 Simshoes en rémunérant vos droits d'auteur. Oh putain, j'aimerais tellement que mes romans qui marchent pas, ils me rapportent 1500 boulesses. Ah non, parce que dans la réalité, ils te rapportent juste 200 balles, hein. Oh mon dieu, je veux que tous mes livres ne fonctionnent pas. Un appel de ton agent qui va te dire combien t'as gagné. Pnaise! Vous étiez là. Coucou Inan, comment ça va? Putain, l'agent qui t'appelle à 2h du mat pour dire que t'es une grosse merde. J'étais en train de me dire décroche! Bah, c'est parce qu'il s'est levé que je me suis douté qu'il y avait un truc à faire. Hein, sinon, je l'aurais laissé faire. Je l'aurais laissé pioncer, je vais pas te mentir. Hop, bon. On aura. A gagné du goût en jeu, il peut désormais surfer sur internet pour consulter des sites de loisirs. Tout, 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 tout. Wow! Pourquoi t'es pas allé faire pipi? Et Yvette, elle jette beaucoup hein, quand même, hein. Yvette. Vraiment, ça vous dit pas ne pas gaspiller tout ci, tout ça. Hop là. Tu écris des livres? Oui, tout à fait, c'est mon métier. Ça avance bien avec Kéké. Ben ouais, là, il est sur la fin de sa dernière année. Écoute, ça se passe très bien. Monsieur est plutôt doué. Gagner une compétition de jeu.
Gagner 3500 sinfus? Mais frérot, t'as déjà gagné des thunes. Jamais content. J'ai envie de lui faire faire. Commencer un concours. Allez. C'est quoi, on n'a qu'une vie, hein, YOLO. C'est vraiment le mec qui veut gagner plein de thunes. Et il va jouer jusqu'à partir en cours. Kevin a cours dans 1 heure. Eh ben, on va partir. Il n'a pas gagné une compétition. Ça va, c'est quoi ce temps? Il pleut, il fait froid alors qu'il y a 2 jours, il faisait 36. Clairement ça. Cette semaine était tout à fait moyenne. Bah quand même. Je te trouve un peu dur avec toi-même, petit Kevin. Ah! J'ai pas l'impression que son examen il soit à 18h demain. Ah si, sinon, je sais pas. On verra bien. Oh, on va manger autre chose ce soir. On va pas manger des macaronis, on va manger des spaghettis. Allez. On va lui faire remonter un peu sa petite jauge. C'est chiant, tous les trucs du doyen, ils sont passés. Parce que là, ça aurait été tombé au bon moment. Eh ben, on va faire un puzzle avec un poisson. Et un train fantôme. Un train fantôme! Boum. Ce sera une fourchette. Ah merde, il manque un truc. Un génie. Oh mais il est fatigué, je suis con. Allez, le dodo est là. Salut carotte. Dans 5 heures. Ah ouais, c'est vraiment le matin les examens. Ne soyez pas en retard. Très bien, Michel. Il y va pas tout seul? C'est peut-être dans 1 heure. J'ai pas envie de louper son examen en fait. J'ai peur. 2 heures avant l'examen final. Ah mais je l'ai fait lever trop tôt en fait. J'avais trop peur. Comme moi quand j'avais un vrai examen vraiment important. Chaque fois, ou genre quand j'ai un RDV hyper important. J'ai toujours peur que mon réveil ne sonne pas. Alors qu'il sonne hein, évidemment. Mais je sais pas, ça m'angoisse. Je vais essayer de passer la serpillière parce que ça me saoule là. Les gens sont des gros porcs. Ah mais il est parti. Madame, Léa, vous pouvez peut-être faire vos devoirs ailleurs, non? Allez, on a encore 20 sur 20! On a reçu les encouragements du doyen. Oh! Je savais pas qu'on pouvait avoir ça! Gagner 5000 balles. Mais il est jamais content, lui. On va regarder un film, il veut regarder un film. Voilà, regardez, il a tout nettoyé, c'est déjà un peu moins terrible. Ah mais il y a un petit frigo. Il veut quoi? Acheter un poste de relookage? Non, c'est pas très important. Par contre, on va discuter, parler du passe-temps, cinéma et littérature, ça fait toujours ça. Il est à quoi? Patriotisme. Pourquoi aucun pays ne veut le vôtre? C'est hard hein, quand même. Alors, le charisme. S'entraîner à parler. Il veut lire un roman aussi. Ben, on va lui faire lire un roman. Il n'y a pas de souci, frérot. Lire un livre. Et on a cours de 9h à 11h. Nice. Hop, Kevin a gagné un point de charisme. Super. La mascotte est toujours en train de nous embêter, c'est fou. On a bien remarqué, mascotte, hein, qu'elle était... elle nous aime pas. On t'a vu. On se sait. Moi, j'ai toujours dans l'espoir vain qu'il nous fasse un fucking best-seller. Et là, il arrêtera ses études. Attention, c'est carotte mutante. Bah, pourquoi je peux pas dire juste carotte? Je suis désolée, mais... Non.
C'est déjà assez compliqué. Si en plus il faut que je. À chaque fois je dis tous les pseudos de tout le monde, je vais pas finir. Moi je les diminue toujours, hein. Si je devais dire tout le pseudo de Gold, je serais pas dans la merde. Hop là! Oh non, il n'y a pas à manger. Petit déj, bah céréales, ça changera peut-être que des crêpes. Dis-le si je te dérange encore. J'adore tellement t'embêter. C'est bien parce qu'avec toi on s'ennuie jamais. Ça j'adore. Ah d'accord. J'ai l'impression qu'avec Solène ils sont pas très très potes, hein. C'est pas la première fois que je vois un truc en mode. Ah non, pas toi. Hop. On va faire ses petits devoirs. Kevin a cours dans 1 heure. Bah c'est bon, il part, il part. Laissez-lui le temps, ce pauvre gosse aussi. Là, j'ai l'impression que ça monte grave moins vite. À la fin, il va passer sa vie à travailler, même comme ça, il n'arrivera pas à avoir sa jauge. Mais non. Ça va, tu vois, de monter. Franchement, d'aller en course, limite, ça monte pas plus la jauge. Faire une bataille de boules de neige. Ben ouais, mais il neige pas encore, copain. Pauvre petit père, j'ai envie de lui dire non, mais. Tu sais que c'est comme moi quand je me suis dit je pars dans le nord, je vais enfin avoir de la neige en hiver. Et qu'en 7 ans, j'ai eu qu'une seule fois de la neige. J'étais si triste. Grâce à toi, je passe de poisson rouge à or. Alors ça me va personnellement. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même pire. Je me sens valorisée. Tu devrais dire, je me sens estimée à ma juste valeur. Allez, la dissertation. La dissertation. La manifestation. Mais en fait, avec les cours et tout, c'est chaud de faire autre chose, hein. Et je constate qu'il n'a pas de journal. Et je crois pas qu'il puisse prendre un travail. C'est pas simple, hein. J'ai l'impression aussi qu'il passe sur vie à faire pipi. Pipi et à se doucher. Ça, c'est 3 fois par jour. Bon, autant le pipi, je veux bien, mais la douche, c'est peut-être un peu beaucoup. C'est mignon, tu vas me toucher. J'ai une petite larme. Pourquoi ça a collé un lien? Je ne veux pas savoir. Ah, ils mettent toujours la météo, c'est terrible. Non, on veut pas la météo. Laissez-nous. Julie, elle est tout le temps en train de danser devant les gens, genre ouais. Allez, ah, travailler à la cafétéria. D'accord, mais je pense que c'était, ça doit être quelque chose d'assez ponctuel, hein. Ça doit pas être en mode. Comme quand t'as un petit job en étant ado. Il y a quand même pas mal de différences avec l'université. Hein. J'espère qu'il va pouvoir écrire. J'espère que comme il améliore sa créativité. Oula, ça rame. Hein. J'espère que comme il améliore sa créativité, il écrit plus vite ses romans, ce serait cool. Ce serait vraiment bien. Hop! Mais en termes de. Ça va, pour la jauge, on est pas mal. Il faut vraiment aller. Faut vraiment aller en cours. Il faut, je vais lui faire faire ses devoirs aussi. Putain, 6 h du matin, au taquet. Université, faire ses devoirs. Oh, c'est quoi? Goût pour la littérature et le cinéma au max. Alors. Le cinéma et la littérature. Attends, je trouve pas. Ah, culture! Tu crois que c'est ça la culture? Parce que si c'est ça, c'est good. Par contre, l'école, comment tu fais pour avoir un intérêt pour l'école? Enfin, je veux dire, il est à l'université, tu vois? Je vois pas trop. Il veut regarder toujours un petit film, c'est son petit truc à lui. Allez, c'est l'heure d'aller en cours. C'est que ça, mon frérot.
TKT. On va te faire regarder un petit film. Oh non, je crois qu'il va falloir payer les factures. Ah! Bah ça a marché. Ah non. Oupsie. Ça, tu vois, pareil, on sait pas comment elle monte cette jauge pour le... pour le cinéma. Encore prendre une douche, hein. Les ours polaires en PLS. Ah, ça nous avait manqué le téléphone. Les intérêts, c'est des préférences version Sims 2. Oui, c'est ça. Sachant que c'est... enfin... je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt dans les Sims 2. À part le fait qu'ils puissent accéder à des clubs privilégiés, en gros. Hop. Université, faire ses devoirs. Hop. Ah, j'ai pas vu combien... combien on a payé. Pas beaucoup, je pense, parce qu'on est à 5500, donc... 5100, pas 500. J'aimerais bien. Discuter. Ah ouais, il a quand même perdu pas mal de passion, il en avait un peu plus avant. Ah, il a pas voulu parler avec moi. Oh non. Reçoit les encouragements du doyen. Ben ouais, mais c'est pas encore... regardez un film, horreur, loup-garou. Pourquoi forcément les films d'horreur, c'est des trucs de loup-garou? Moi, film d'horreur, je pense tout de suite plus à des fantômes. Hein. Il y a trop de... il bosse à le kéké, hein. Ah, tu vois, il y a eu la petite bobine. Quand il a écrit. Oh bah là, il va peut-être pouvoir faire sa bataille de boule de neige. Un Sims refuse une bataille de bombes à eau. Ah bah oui, mais en hiver, c'est normal aussi, copain. C'est les Sims, ils finissent congelés, quoi. Ça reste assez statique, quand même, comme expérience de l'université. Le souci, c'est Sims 4, c'est que si tu veux réellement être mobile, tu te tapes des chargements tout le temps. Ouais, c'est le souci, hein. Bah, c'est vrai que dans les Sims 2... mais pareil, hein, quand tu prends, tu veux aller plus vite dans les Sims 4 et que tu prends 4 cours en même temps, tu regardes ton Sims, il passe sa vie à étudier, tu sais. C'est un peu le cas dans les Sims 2 aussi, tu vois. C'est ce que je reproche. C'est que j'aimerais que ce soit moins compliqué d'avoir son année. Surtout dans les Sims 4, vraiment, pour avoir le A, c'est galère. Hein. Le 20, je trouve qu'il est beaucoup plus facile à atteindre sur les Sims 2. Tu vois? Quoique... je suis qu'à ce niveau-là, alors que avant j'arrivais à fond. Et là, tu vois, je vais avoir le bureau et tout. 4 heures avec les examens finales, quoi. Alors que j'ai fait la disserte, hein. On est d'accord que j'ai fait la disserte. Oh putain, le con, il l'a pas fait au bout aussi, c'est pour ça. Quoi? Oh merde. Ah oh, mince. Eh ben c'est pour ça qu'on aura pas 20 sur 20 comme d'habitude. Oh non! Je suis deg. Je pensais qu'il avait fini sa disserte en fait. Non, c'est ça qui va nous mettre dans le caca. C'est dommage. Pour lui faire réussir son année, j'étais obligée de chanter pour que ça... de cheater pour que ça passe. Ah ouais! Il a eu 14 sur 20, putain. J'ai failli devenir vulgaire, mais je veux les boules. Nettoyer, nettoyer. Balayer. Astiquer. Danser ensemble. Ça montre peut-être le social comme ça. Ah. Il a préféré manger plutôt que de danser. Je comprends. J'aurais fait les mêmes choix que lui. Il va mal, mon Sims. Là, il est au fond du trou. Hein. Mais j'arrive pas à le faire remonter, discuter, papoter. Voilà.
Mais personne ne l'aime. Oh mon kéké, je suis si triste pour toi. Tout le monde t'envoie des vents. Oh la tristesse du kéké. Le L est archi facile dans les Sims 4. Bah essaye de faire 4 cours en même temps, on en reparle. Parce que franchement, pour avoir le A quand t'as 4 cours en même temps, bon courage frérot. Hein. Je mange un fromage vegan, c'est trop bon. Et c'est lequel? Je sais pas si ça ressemble à du fromage classique par contre. C'est le rouillé de chez Tom Pouce. Pff, connais pas. Kevin a cours dans une heure. Mais il a pas du tout remonté son social, moi, c'est ça qui me bute. Il veut même pas faire pipi! Ça y est, il me pète un plomb, ce con. Benjamin s'est connecté. Qui est Benjamin? Il est pas allé en cours! Qu'est-ce que tu fais? Je sais que ça va pas, mais c'est pas le time. Allez, va en cours, ça te fera remonter ton social. Ah. Constatez bien que la jauge de social ne remonte pas. Ah mais attendez, ils discutent. Mais personne ne veut de lui. Ça... J'y suis déjà arrivée. Oui, enfin c'est pas parce que t'as réussi une fois que tu réussiras à chaque fois. Enfin, en même temps, si ton Sims il fait que étudier, oui c'est facile d'avoir le A, mais si tu veux faire autre chose avec ton Sims, c'est déjà plus galère quoi, en fait. Je te jure, personne ne l'aime, le petit... Il me fait trop de la peine. Vraiment, Belette, il va... Peu cher, il va rater ses études, hein. On a un peu réussi à faire monter sa vie sociale. Non, je voulais faire de l'exercice. Pas de la danse. Ah non, en fait, c'était une bonne idée qu'il nettoie. Merde. Je ne suis vraiment pas d'humeur à faire ça. Bah déjà, essaye de faire pipi, t'as pas voulu tout à l'heure. Je sais bien que t'es triste, mais enfin. Mais j'ai l'impression que ses colocs, il arrive pas à... Il arrive pas à se faire des potes avec. Il arrive... En fait, avant, il arrivait à remonter sa vie sociale en mangeant en même temps qu'eux, mais là, ça arrive pas. La meuf qui pue le rejette. Grave. Ça va être dur d'aller en cours, là. Il veut plus se lever, ça y est, il me déprime, mon Kevin, là. Allez, Kéké. Mais rejoindre. Voilà, regardez-moi ça. Distraction sociale, on est reparti. Here we go, là. Non, pas les factures. Ceci est une blague. Voilà. Faire de l'exercice, monsieur. Voilà. Parce que là, il va falloir qu'on se remette dans le droit chemin. Nettoyer. Hop, parce qu'on a le nettoyage aussi. Hein. Regardez, je fais tout pour que ça passe. Ah, mais il a pas nettoyé les chiottes. Kevin a cours dans une heure! Il n'y arrivera jamais. J'ai un problème avec les Kevin, non pas du tout, juste un collègue que je peux pas encadrer. J'ai connu un Kevin, mais bon, c'était pas une personne dont j'étais très très proche, j'avoue. Mais j'en ai pas connu beaucoup des Kevin. C'était genre les frères des potes que mais je croisais jamais, donc j'avoue, je prêtais pas forcément attention. Déjà au dodo là? Ah punaise, regardez ça, ça va pas du tout. Y'a personne qui veut manger avec toi, pauvre vieux. Allez, dodo. On va pas réussir, hein. Là c'est un miracle hein, si on s'en sort. Hein.
Ça devient déjà dur à l'année 2. My God. On va clamser avant la fin. Être en période d'essai. Ah, c'est ce qui nous attend quand même là. Parce qu'on... 34 heures pour l'examen final. Oh putain, ça pue du slibard. Je crois qu'il a toujours pas son truc en physique, ni en charisme, ni en nettoyage. Il y a rien qui va. De manière générale. Hop, il va arriver, il va faire son petit sport. Direct. À jeun. Mais tu vois aussi, il fait pas tout. Oh, oh bah. L'exercice, non. Allez! Mais il veut pas, ça me bute. Danser en solo. Est-ce que ça marche? Non, ça fait pas monter son physique. Bon, on s'en fiche. Je suis vraiment pas d'humeur à ça. Oh god. T'es jamais d'humeur à ça, frérot. Enfin. Bon, le nettoyage, ça monte. C'est beau! Le nettoyage, c'est good. Il nous manque le charisme et le physique. Ok. Université, faire ses devoirs. Voilà. Ah, il s'était déjà servi à manger en fait. Mais il parle avec les autres, mais de l'autre côté. J'ai un peu la flemme de venir vous voir en fait. C'est terrible. Ah, mais t'as pas du tout assez bien mangé, hein. Hop. Mais regardez, il est éclaté. Terrible. Voilà. Kevin a cours dans une heure. Ben on peut arrêter. Bon, on a réussi à avoir toutes, je dis bien toutes, nos petites compétences. Là maintenant il faut qu'on arrive déjà à la moyenne qui est sur 10. Hein. 19h dans 4 minutes. Mais pourquoi vous êtes là en train de faire tic-tac? Vous voulez pas faire de rap? Mais enfin vous le dites si vous voulez que je me casse. Je sais pas, je voulais pas rester un peu plus longtemps. Non, j'ai vraiment envie de finir mon année 2, en fait. Voir si on va réussir ou s'écraser en plein truc, tu vois. Voilà, comme ça il parle, tu vois, son social il remonte. Ta 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 ta. Tout, 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 tout. Bah, dodo. Enfin. On en est où? Bon, ça va, on a la moyenne, les gars. On a la moyenne. C'est pour toi, après, tu vas te plaindre. Je me plains tout le temps. C'est comme les frites à la cantine, s'il y a du rab, on fonce. Bah, visiblement, pas tout le monde, tu vois, parce que Gold, elle a envie que je me casse. J'ai compris. Bon, on va essayer de lui faire faire sa dissertation et qu'il nous fasse pas, il nous fasse pas du caca comme la dernière fois. 7 heures avant l'examen final? Mais il va à peine avoir la moyenne. Diversité, rédiger la dissertation. Refais ta dissertation direct, frère. Je sais pas si on aura le temps. Hein. Ah, ma dissertation! Non! Il a pas envie. Vite! Vas-y, Kéké! Non! Il a réussi. La dissertation qui est passée. Oh punaise, regardez la dissertation. Elle a explosé le truc. Yes! J'attends la fin du live pour ouvrir mon colis. Je comprends mieux. Il y a des choses qui s'expliquent. Bon, il aura pas 14 sur 20. Je pense qu'on sera peut-être sur 18. Examen final en cours? Mais il est pas du tout à son examen!
Il peut changer d'aspiration. Non. Putain, mais du coup, regardez, il a eu 14 à cause de ça. You are a stupid boy. En quatrième année, du coup, ton année, elle est définitive. Oh non, mais je suis deg, mais... Tu es stupide, mon garçon, stupide. Tu l'entends, ça? Est-ce que c'est rentré dans ta tête? Ah putain, mais il me bute, ce con. Mais il saoule. Bon, ça va, la troisième année, ça ira mieux. Tu pues, Kéké. Mais grave! Kéké, les nuls, que voulez-vous? C'est écrit sur son front depuis sa naissance. Il y en a, vous êtes beaucoup trop vénère. Oh non, mais je suis deg! Mais Kéké! Mais ça a bugué quand j'ai mis en rapide. Parce qu'il est allé en cours et il est revenu. Donc je pense que c'est un peu bugué. Tant pis, c'est la vie des vies. Mais écoutez, nous on va s'arrêter là, puisque comme l'a si bien dit Gold, il est 19h là, donc il faut pointer là maintenant, il faut terminer. Hein. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un excellent moment.